C'est fou, comment c'est les choses des fois, non? Ou dans ces cas-ci. Maintenant, je suis justement en face, l'eau nous sépare. Je vois tellement petit les vieux Québec, les châteaux Frontenac, les Québec dans toute son ampleur, je les vois petits, pas insignifiants, mais comme il est là, qui est tranquille, agitateur de rien. Et par contre, c'est dans ces coins-là, là, justement en face, dans ces montagnes, où j'ai vécu beaucoup, mais beaucoup. Si ça ne serait pas peut-être les choses les plus importantes de ma vie. Bah, ceux qui t'édictent le futur. Et tout est là, il est tellement acquis, tellement gris, tellement. En plus, la journée, ça aide pas. Il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est la perception, ça, que je voulais partager. C'est la perception d'un moment agité dans l'adolescence, quand tu étudies, quand tu sors à la grande allée, là, quelque part pour là, les Dagobert, les filles, l'alcool. Tous ces mélanges-là là, qui n'arrêtent pas, c'est comme une folie totale qui n'arrête pas. On ne peut pas les stopper comme moi je les stoppe maintenant, mais avec 30 ans de différence. C'est comme une suite, c'est tout le temps, tu veux apprendre, tu veux vivre. Et à vrai dire, ce qui te contiennent, c'est quoi? C'est un vieux Québec qui est. Oui, c'est joli, oui, c'est joli. Mais c'est rien d'extraordinaire, c'est rien de magique, c'est rien de. Et c'est vrai que c'est de loin, ça paraît simple. De proche, c'est beaucoup plus beau, oui, évidemment. Mais si vous voyez, c'est justement, c'est de là à là qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées que moi, je dirais que ça aurait été tout ton pays, tout ton monde. Et non, c'est vraiment là, il n'y avait rien. Combien de moments de confusion sur moi. Combien de choses que je pensais que ça serait vrai, ils sont pas vrais. C'est une fantaisie, voilà. C'est le Québec de la fantaisie que je l'observe de l'autre côté du fleuve, où l'eau sépare la fantaisie de la réalité. Il s'est fou parce que. J'étudie architecture là, au moins un an, au plus, je ne me rappelle pas. Là-bas, à l'université Laval, quelque part là, les langues, quand je ne pouvais même pas parler, ces sentiments d'être muet, de pas se faire comprendre, avoir tout un bagage d'expérience qui ne te sert à rien, les mondes qui te manipulent un peu, les mondes qui te guident, les premiers amours. Toute une vie là, dans ce petit endroit qui vaut rien. Je parle pas mal du vieux Québec. C'est très joli, c'est touristiquement c'est super beau. Et même je suis loin, même si ça paraît pas. Donc tout est petit, tout est insignifiant. Mais quand tu les regroupes tout dans son complet, c'est pas grand-chose. Et pour moi, c'était grand-chose. C'était tout un autre monde. Ça qui est fou. Et maintenant, je prends mon déjeuner ici, avec une pita, avec fromage et je ne sais pas comment ça s'appelle ça, c'est du pâté. Un café, j'ai un canot, un kayak, je m'apprête à aller en Gaspésie. Ça que je voulais vous partager. Un sentiment tellement puissant, toute une vie résumée dans un instant.